précédemment sur le Grand Quiz Ceinture et Roue. Au terme de la première journée de compétition, Romuald, Catherine et Zineb sont sortis vainqueurs des épreuves de la hiérarchie et des duels, en laissant Philippe, Ravindra et Gaël s'affronter pour la dernière place d'admission au deuxième tour. À l'issue de la sélection de repêchage, alors que Philippe et Ravindra ont été malheureusement éliminés, Gaël a obtenu le dernier ticket, accédant ainsi à la finale du Grand Quiz Ceinture et Roue. Pour cette grande finale, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Dong Qiang, doyen du département de français de l'Université de Pékin, lauréat du Grand Prix de la Francophonie et membre de l'Institut de France, ainsi que M. Sébastien Rizzi, présentateur chez Radio Chine Internationale. La compétition débute dans quelques instants. Restez avec nous pour découvrir celle ou celui qui remportera ce grand quiz ceinture et roue. Bonjour! Bonjour à tous, ou bonsoir, selon où vous vous trouvez, puisque CGTN français est diffusé partout dans le monde. Tous les jours, nous célébrons sur cette chaîne la francophonie à notre manière. Et ce soir, dans ce grand quiz, dans la finale de ce grand quiz de la route de la soie, nous allons évoquer toute l'histoire de cette saga fantastique, la route de la soie, à travers le temps, aussi bien passé que présent que futur. Il me reste à déclarer officiellement ouverte la finale du grand quiz de la route de la soie. Pour cette partie de la hiérarchie, le présentateur posera 10 questions aux 4 candidats. Chaque question vaut un point et les 4 candidats seront classés en fonction de leurs notes. Celui qui obtient le plus de points aura le droit de choisir son binôme entre les 3 candidats pour accéder à la prochaine étape. En cas d'ex-aequo, une ou plusieurs questions supplémentaires de rapidité seront posées pour les départager. Pour l'instant, les candidats gardent leur sang-froid. Personne ne se trompe dans les réponses après que les 4 questions aient été posées et on compte 4 points pour tout le monde. Quelle organisation internationale est née avec la construction de ceintures et routes? Est-ce la Banque mondiale? Est-ce le FMI, Fonds monétaire international? Est-ce la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la IIB? Ou est-ce l'APEC, la coopération économique Asie-Pacifique? Répondez. Vos réponses? CDC. Ah, on a quand même quelqu'un qui a eu la gentillesse de se tromper. Gaël, effectivement, c'est la réponse C. Regardez, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Tout le monde marque un point, vous restez à 4, mais rien n'est encore joué. Question cinématographique. Voici la question. Adaptation d'un roman contemporain chinois. Ce film narre l'histoire d'un jeune étudiant de Beijing qui tente de dresser un loup en Mongolie intérieure, mais finit par le relâcher. Quel est ce long métrage? Le loup de Wall Street? Le miracle des loups? Le dernier loup? Loup y es-tu? Vous pouvez répondre. Et vous avez tous répondu. C'est sauf Zineb qui a répondu B. Alors, Zineb, le miracle des loups, c'est un vieux film. C'était le dernier loup, bien sûr. Quelle énonciation suivante est incorrecte? Regardez, je vous laisse les lire. Donc, là, en résumé, la soierie française développée au XIVe siècle en Provence, qui, à la fin du Moyen-Âge, a remplacé la soie d'Italie. 1466, Louis XI, qui la développe. Entre le XVIe et le XVIIe, la famille royale qui interdit tout ça et perçoit des impôts, Lourdes, et au XVIIe siècle, Lyon, qui devient le lieu de production le plus important de toute l'Europe, où l'on transforme la soie. Quelle est, à votre avis, l'une de ces 4 affirmations qui est totalement fausse? Je vous laisse répondre, réfléchissez, c'est très simple et logique. Vos réponses sont... C'est... A, D, C, C. Eh bien, la bonne réponse, c'était la réponse C. Car effectivement, les 3 réponses A, B, et C et D, pardon, se tiennent. Il y a eu cette progression. Vous pouvez nous en rajouter quelques éléments, maître?
Oh, c'est l'importance de Lyon pour les Chinois là, parce qu'en fait, on dit toujours la Chine. Quand on pense à la Chine quand on parle de la soie, mais en fait, en Europe, on pense à Lyon et surtout ce terme qui amuse beaucoup nos étudiants, c'est les fameux les Les canuts de canuts. Lyon. Et là, Les quand on canuts. explique tout ça à nos étudiants, Voilà. ça les intéresse beaucoup. Voilà, je suis un enfant de Lyon, donc effectivement, on les appelle les gones, mais les soyeux étaient appelés les canuts. Et dans les plats traditionnels lyonnais, vous avez la fameuse cervelle de canut, qui est en réalité un fromage blanc avec des herbes dedans. Voilà. Absolument, eh bien, ça commence à se dessiner un petit peu. 6 points pour Catherine, 5 points pour Gaëlle, 6 points pour Zineb et 7 points pour Romuald. Selon Karl Marx, lesquelles de ces inventions ont changé le cours de l'histoire du monde? Vous pouvez répondre. Tout le monde a répondu B, la boussole, la poudre à canon, l'imprimerie. La réponse était B, bien sûr. Absolument. Bon, la sieste, ça a un peu changé le cours de l'histoire du monde aussi, quand même, hein. Ça permet de récupérer. La sieste a changé le monde oriental. Oui. Bien. Comment ça va du côté du public? Très bien. Voici une 9e question. Regardez ces images splendides. Les archéologues de l'université de Pékin ont effectué des recherches scientifiques sur les objets recueillis lors des expéditions maritimes de Zheng He. Ils ont fait cela en coopération avec un musée national. De quel musée s'agit-il? Vous avez quatre propositions: Musée national d'Éthiopie, de Tanzanie, de Libye ou du Kenya. Prenez votre temps, respirez, répondez. Tout le monde a répondu D, le Kenya. Je vois que vous avez bien révisé, c'est effectivement le Kenya. Dixième question. Le couloir économique sino-pakistanais représente un jalon historique pour l'amitié entre ces deux pays. La construction de ce port est un élément phare du programme de pilotage dans la construction des six couloirs économiques de l'initiative Ceinture et Route. De quel port s'agit-il? Le port de Gwadar, le port du Pirée, le port de Colombo ou le port de la Réunion? Répondez. Le port de Gwadar, oui, mais Gaël a répondu le port du Pirée. Le plus dur pour moi, c'est quand je suis tombé, il est difficile pour moi de me retrouver. C'est pourquoi quand j'ai fait échec, alors la continuité sera échec. Et donc, vous restez à 7 points, 9 égalités entre Zineb et Catherine et 10 points pour Monseigneur Romuald, dites-moi. J'étais un peu stressée avant parce que je voulais pas finir dernière. Et puis j'avais peur, je me disais les questions vont être peut-être un peu difficiles pour avoir cette hiérarchie. Mais ça va, je pense que je m'en suis assez bien sortie. J'ai fait une petite erreur sur le nom d'un film, je crois. Mais sinon, ça s'est très bien passé. J'ai fini deuxième avec Catherine. Et puis Romu était premier. Le classement vraiment n'avait pas beaucoup d'importance. C'était plutôt ce qui était important, c'est de décrocher cette première place pour pouvoir choisir son ou sa partenaire. Donc, mon cher Romuald, je viens vers vous pour vous demander de ne pas vous tromper dans votre choix stratégique. Je vais vous laisser quelques petits instants pour réfléchir. Pendant les questions, je n'étais pas du tout nerveuse, mais quand est venu le temps à Romuald de faire son choix, là, j'ai senti la nervosité monter. Parce que selon qui je choisissais, je savais que ça aurait été un jeu facile ou moins facile. Donc, j'attendais avec anxiété ce qu'il allait dire. Votre choix est fait, quel est-il? Je vais aller pour Catherine. Romuald et Catherine vont jouer pour cette deuxième manche, ce duo face à l'autre duo qui sera composé de Gaël et de Zineb. Auparavant, je vous propose une petite pause artistique et on se retrouve tout de suite pour la deuxième manche. Thank you.
Merci, merci, on se retrouve. Bravo à ce fantastique artiste qui nous a fait vraiment passer un très très bon moment. Alors, place à la deuxième manche avec ces fameux duos. Le deuxième duo est sorti du plateau afin qu'il ne puisse pas voir ce qui se passe dans cette manche-là. Les duos éphémères. Le numéro 1 dans la hiérarchie aura la priorité de choisir son binôme pour former l'équipe A. Les deux restants formeront automatiquement l'équipe B. L'équipe A entre d'abord sur le plateau. Le présentateur annonce le nom d'un pays. L'un des candidats de l'équipe se rend vers le panneau des éléments pour retrouver le drapeau national, l'édifice majeur et le personnage célèbre du pays et les remettre sur le panneau de réponse. Puis il énonce un nouveau pays pour son binôme. Ainsi, les deux candidats s'exécutent sous forme de relais. Les points sont accordés à la condition que pour chaque pays, toutes les trois réponses, drapeau, édifice, personnalité, soient correctes. En cas d'ex-aequo, on compte le nombre d'éléments corrects. Et pour l'équipe obtenant le score le plus élevé, ces deux candidats accéderont à la finale et deviendront les duellistes. Qui commence à jouer ? Très bien. Moi, vous allez me permettre, monsieur Grandjean, je vais enlever mes talons. Oui, bien sûr, bien sûr, enlevez vos talons. On va tous enlever nos chaussures. Allez, oui, bien sûr, pour courir. C'est une épreuve culturelle et sportive à la fois. Alors, on va faire comme ça. C'est moi qui vais découvrir le premier pays. Attention, prêt à partir. Nous jouons avec la Russie. Drapeau, oui, ok. Pushkin, le Kremlin. Le chronomètre est parti. Tu vois Pushkin ? Oui, voilà. Et Romuald va attendre que le pays soit dévoilé, celui-ci, la Grèce. Allez Romuald, en bas. Le Parthénon, puis Socrate. Allez. Pas gentil de remettre le panneau tout à l'heure, sinon ça va. La Pologne. Arrangez. Polanski, Polanski, Varsovie. Je vais ramasser dans le temps. Ouais, merci. Ensuite, nous jouons avec Israël. Israël. Ouais, le drapeau, le mur des lamentations et David. David, c'est quelque chose. Il n'est pas là ? On le voit, on le sait, mais... Le 3. Ensuite, on retourne. Prochaine. Et vous jouez avec la Croatie. Croatie au centre. Avec le Croate qui est... Le joueur de foot. Luis Modric. Petronas, Oloubek, Dubrovnik. Ouais, juste. Jouons avec l'Afghanistan. Allez Rémi, il reste 1 minute 15. Afghanistan, c'est un personnage célèbre et un lieu célèbre. Le commandant, ouais. C'est gentil de ne pas tout déglinguer le plateau, merci. Allez Rémi. Il reste 1 minute. Allez, la prochaine. Avec le Qatar, nous jouons maintenant. Le Qatar. Oui, le drapeau du Qatar. Le foot, le stade. Ouais. 48 secondes. Et nous jouons avec la Serbie. Allez. C'est ça, hein ? Non. Non, oui, Serbie. Et puis les Serbes, c'est... Allez. 30 secondes. Prends quelque chose, c'est pas grave, on l'aura mal. Pupin et... Oh my God, Djokovic. Allez. Et nous jouons maintenant avec l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan avec... On avait dit que c'est quoi ? Mais à la personne de l'Ouzbékistan. Le timing. La famille Karo-Samir. Al-Asali. Avec un K. C'est fini ? C'est fini, Catherine. En même temps, dans la loge, Gaël et Zineb attendent avec crainte et un peu d'incertitude. Zineb, c'est quelqu'un de formidable, qui a un fort caractère.
une forte personnalité, parce qu'elle n'a pas perdu espoir. Elle n'a pas perdu espoir. Après le choix de Romuald, il a décidé de choisir la plus forte qui était Catherine. Mais Nem m'a dit, Gaël, on peut. Essayons juste de nous concentrer, essayons juste de croire en nous, on peut. Mais je lui ai dit non, on ne peut pas, ils sont tellement forts, ils ont eu le temps de faire beaucoup de recherches. Et toi, tu vois, moi, je n'ai vraiment pas fait de recherche. Je compte beaucoup sur toi. Il m'a dit oui, je compte sur moi, moi je vais t'aider. Allons-y, on peut. On y va. Alors attention, 3, 2, 1, nous jouons avec la Turquie. Oui, oui. Le drapeau. Le souk, Istanbul, le souk d'Istanbul. Et un personnage célèbre, emblématique de la Turquie. Turc, habillé par un Turc. Allez, on se dépêche. Allons-y, allons-y. Le temps court. Allons-y, Zineb, pour la Belgique. Ah non. Ah. Ah, je vous demanderai tout à l'heure de remettre le panneau. Et maintenant, l'Arménie. Charles Aznavour, déjà. Rouge, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune. Oui. Ouais, ouais, ouais. Charles Aznavour, Charles Aznavour. L'Arménie. Le lac, le lac, le lac. Allons-y, essayez de ne pas nous démolir le panneau, ça serait formidable. Vous les remettez en place, voilà, voilà. Et vite, on joue maintenant pour l'Égypte. Pyramide. Ah. L'Inde. Le rouge et le vert. Rouge et vert. Rouge, rouge, blanc, vert, en face. En face de toi. Le Taj Mahal, Bouddha. Gandhi, Bouddha. Allez, vous Taj pouvez Mahal, l'aider. Taj Mahal. Vous pouvez l'aider. Le Liban. Attention, le chronomètre tourne. Je vous demanderai de ramasser les panneaux pour que je puisse valider, bien sûr, les points à la fin. Syrie. La Syrie. Ramasse les panneaux. Syrie, Syrie, les étoiles. Non, 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 les étoiles, les étoiles. En haut, en haut. Adonis, Adonis. Ça ressemble à palmier, palmier. Le nom ressemble à palmier. Palmyre, palmyre. Ah palmyre. Allez, aidez-le, voilà. Voilà. République tchèque. Puisque j'ai demandé aux autres candidats. Allez, allez. Je peux pas remettre ça aussi. Puis ensuite, on a dû se retirer pendant que Gaël et Zineb faisaient le jeu. Là, Romuald était hyper nerveux, il n'arrêtait pas de me demander « Combien tu crois de points qu'ils vont faire? Est-ce que tu penses que ça va bien se passer? » J'essayais de le calmer, de toute manière, on ne pouvait rien faire, c'était hors de notre contrôle. J'étais un peu stressé parce que je sais qu'ils ont quand même bien étudié la matière. Je sais que Gaël est un sportif qui sait bien courir, donc je me suis dit qu'il pourrait faire plus de longueur que moi. Maintenant, nous allons accueillir le premier duo composé de Catherine et de Romuald. Et on va pouvoir découvrir, tenez, mettez-vous ici. Ils ont leurs supporters. Hein. Et on va pouvoir découvrir quels sont vos résultats et quel est le duo gagnant. Vous, 8 réponses. Et vous, 7 réponses. Je parle de bonnes réponses. Ça s'est joué à une seule bonne réponse. Pour moi, il a manqué vraiment quelques secondes. Et quand je dis quelques secondes, c'est qu'il y avait vraiment la possibilité d'égaliser, peut-être pas d'être éliminé, mais d'être d'égalisé, de prolonger un peu le suspense. Et ce qui a fait défaut, c'est que sur les premières secondes, ils ont perdu du temps. Ils n'ont pas mesuré qu'il fallait absolument garder ces précieuses secondes. Et à la fin, eh bien, il restait quelques secondes avec la République tchèque. Il y avait possibilité de ramener un point. Et ces quelques secondes perdues depuis le début par Gaël ont été fatales
pour la suite de la compétition. Il faudrait que les deux candidats soient unis, assis et complets pour qu'on puisse avancer. Donc là, j'ai eu beaucoup de failles, beaucoup de découragement. Et dans ma tête, je me disais réellement qu'on ne pouvait pas. Mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était tellement facile et qu'on pouvait y arriver. Mais le moral, déjà, quand je venais, n'était pas à la hauteur. On était juste à un point de la victoire. Ce n'était pas la magie. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. On pouvait faire la même chose, en fait. On pouvait faire la même chose. Alors vraiment, chapeau encore une fois. Et puis félicitations totales à Romuald et à Catherine. Et vous êtes vraiment des champions, hein. À une réponse près, vous nous avez épatés vraiment, hein. Donc, vraiment, sincèrement, félicitations, on voit que vous avez bien révisé, hein, votre géographie, les dictionnaires, les drapeaux, etc. C'est très très bien. Alors rassurez-vous, ne partez pas triste. D'abord vous êtes en finale, c'est génial, hein. Deuxièmement, vous aurez tout à l'heure des cadeaux, bien sûr. Et puis on a partagé des moments fantastiques ensemble. Qui allez-vous soutenir dans ce couple qui maintenant n'est plus un couple ni un duo, mais sont deux adversaires dans la troisième manche? Vous soutenez qui, Gaël? Son pote Romuald. Yeah, yeah. Ah. Et vous, solidarité féminine? Bien sûr. Eh ben voilà. Alors ça va être très très chaud. Le duel va donc opposer, duel à mort. Alors maintenant, il n'y a plus de camaraderie, il n'y a plus rien. Hein. Attention, hein. Donc, Romuald opposé à Catherine, c'est dans quelques tout petits instants pour la troisième manche de cette émission, ce grand quiz, cette grande finale. Auparavant, on regarde un petit peu de musique et de danse avec une troupe folklorique composée de minorités qui vont sans aucun doute beaucoup vous plaire et vous séduire. Regardez.
contente d'avoir participé à l'émission parce que je pense que j'aurais pas eu la chance de découvrir autant la culture chinoise. Je suis très heureux d'avoir pu participer à cette expérience, tant durant le voyage vers l'Ouest que cette émission ici à Pékin. Grâce au voyage qu'on a effectué, on a appris non seulement à connaître la culture chinoise, mais on a aussi à très bien connaître les autres concurrents. Donc on savait contre qui on espérait se retrouver en finale, contre qui on espérait ne surtout pas se retrouver en finale. Je crois que ce qui m'a aidé, c'est peut-être la connaissance du chinois. Grâce au chinois, j'ai pu mieux mémoriser ou étudier en fait les divers lieux et personnages chinois. Donc c'était peut-être, j'avais plus de facilité là-dedans. J'ai étudié beaucoup et j'espère pouvoir utiliser les choses que j'ai étudiées pendant le jeu. Mais je suis confiant d'arriver au moins à la deuxième place, si pas la première place. Ça va, Catherine? Oui, ça va, merci. Relax. Alors, toujours, hein, vous, impassible. Alors, hein. Romuald, il est toujours impassible. Eh bien, voici la dernière épreuve. Chemin vers la gloire. Il y aura au total 18 questions, dont 6 d'un point, 6 de 2 points, 4 de 3 points et 2 de 4 points. Les questions seront cachées derrière des icônes de chameaux numérotées de 1 à 18 qui seront affichées sur grand écran. Les deux finalistes ne pourront choisir les questions de plus grande valeur que lorsque les questions de la valeur voisine plus petite sont épuisées. À son tour, le candidat choisit un numéro de chameau. Le présentateur révèle la question cachée derrière. Le candidat répond. S'il donne la bonne réponse, il gagne le ou les points attribués. Sinon, rien ne change. Chaque duelliste aura 3 chances de céder sa question à son adversaire qui sera obligé de répondre. Si son adversaire donne la bonne réponse, il gagne le point attribué. S'il n'arrive pas à répondre ou donne une mauvaise réponse, c'est le candidat lui-même qui remporte le point attribué. Donc 3 jokers chacun, 3 patates chaudes et une série de questions avec le début de cette troisième manche. Catherine, question à 1 point. Vous choisissez 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Je vais y aller pour la question 1. La question 1. La première question, la voici. Relevez-vous, chameau. Quels sont les 3 principes officiels que l'initiative ceinture et route doit appliquer? Donc je vais y aller avec la réponse B. Concertation commune, construction et partage. Concertation commune, construction et partage. Regardez. C'est effectivement la bonne réponse. Vous marquez 1 point. Romuald, à vous. Choisissez. La deuxième question. Voilà. Quelle idée a été inscrite pour la première fois dans le mécanisme de résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? 4 propositions qui peuvent toutes être justes, mais laquelle est officielle? Je dirais réponse A. Réponse A, construire la communauté de destin. On vérifie. C'est exactement ça, vous avez également 1 point. 1 point partout. Bon, ça va devenir de plus en plus compliqué. Voici encore un autre choix, 1 point. Je vais y aller pour la réponse, la question 3. La question 3, c'est pratique au moins, c'est pas compliqué. On passe à la 3 maintenant, avec derrière ce chameau, cette question. Oh, magnifique. Voici la question. Ces dernières années, le musée national d'un pays expose ses collections dans divers musées du monde entier. Les collections de l'exposition montrent les paysages historiques de ce pays au IIIe siècle, plus précisément entre le IIIe siècle et le Ier siècle avant Jésus-Christ. Témoignant de communication et d'inspiration réciproque sur la route de la soie, de quel pays s'agit-il? Est-ce la Grèce? Est-ce l'Inde? Est-ce l'Égypte? Est-ce l'Afghanistan? C'est l'Afghanistan. C'est l'Afghanistan. Vous en êtes sûr? C'est votre plutôt dernier mot. On vérifie. 1 point de plus. Bravo. Romuald, quel choix pour vous? Question 4. Question 4. Derrière ce petit chameau, voici la question. Lesquelles des villes ci-dessous représentent le point de départ et la destination? Chengdu, Lyon. Wuhan, Lyon. Wuhan, Paris,
Chengdu, Marseille. Étant donné que j'habite là, Wuhan, Lyon, réponse B. Vous habitez Lyon ? Wuhan. Ah, Wuhan. C'est nouveau. Vous avez fait le déplacement exprès. Wuhan, Lyon, bien sûr. C'est, regardez, la bonne réponse. Et oui, vous êtes de Wuhan, installé depuis combien de temps, Wuhan ? Depuis presque 5 ans maintenant. Voici pour vous une autre question. Catherine, choisissez 5 ou 6. Je vais aller pour la 6. Pour la 6. Elle s'affiche à l'instant, regardez, sur votre écran également. Vous pouvez jouer chez vous, bien sûr. Alors, question 6. Quel exemple le Premier ministre Li Keqiang a-t-il utilisé pour illustrer la coopération de la Chine avec les 16 pays de l'Europe centrale et orientale? Je ne suis pas très certaine pour cette question, donc je crois que je vais l'offrir à mon camarade Romuald. Je connaissais aussi un peu le niveau de connaissance de Remu parce qu'on avait étudié un peu ensemble et tout, on avait discuté des thèmes, etc. Puis il y a une des questions qui, pour moi, elle m'apparaissait pas du tout évidente. Alors, je sais pas, j'ai décidé de la donner à Remu. Vous l'offrez à Romuald, donc c'est votre premier joker. Romuald doit y répondre. S'il répond juste, il prend le point. Sinon, il vous le donne. Réponse ? Réponse B, le pont, je suis pas sûr, hein, le pont aux 17 arches du Palais d'été. Bien évidemment, regardez la réponse. Le pont aux 17 arches. Bon, c'est un cadeau que vous lui avez fait là quand même. Ouais. Eh bien, nous en sommes à 3 à 2. C'est maintenant à vous de jouer à nouveau. Romuald. La question 5. Oh, le joli train. Mais encore, quelle est la question ? La construction de ce chemin de fer au Kenya, commencé en septembre 2014, s'est achevée en mai 2017. Quel est son nom ? On est dans des questions à un point, donc relativement simple, sans vouloir vous aider. On parle du Kenya, donc Nairobi, Mombasa, Nairobi, la réponse A. Mombasa, Nairobi, ça vous parle du Kenya ? On vérifie ? Bien évidemment. Un point de plus, nous en sommes 4 à 2. Alors ça va commencer à se compliquer un peu. Nous passons au deuxième rang, les questions à 2 points. Quel est votre choix, Catherine ? Je vais y aller pour la question 10. La question 10, eh bien, la voici. La voici, la voilà. Ben, le chameau 10, il fallait qu'il arrive aussi. Il lui fallait un certain temps, le voici et la voilà. Les villes de Nara et Kyoto, au Japon, ont été construites respectivement d'après les plans d'autres villes chinoises. Vous avez le choix ? Oui, donc je vais y aller pour la réponse C, Xi'an et Luoyang. Eh bien, la bonne réponse, regardez, c'était bien celle-ci. C'était pas évident. C'est à vous, Romuald. Quelle question choisissez-vous ? À 2 points. La 11. La 11. Question 11, la voici qui s'affiche. Ah, très bel objet, vous le connaissez peut-être. Le musée de l'histoire du Shaanxi, situé à Xi'an, possède les collections précieuses de la dynastie des Tang, découvertes à Hejiakun. Parmi ces dernières, le prototype de coupe en agate dorée avec une tête d'animal, le riton, provient de quel pays ? Ça aurait été une question pour vous, puisque vous êtes allé à Xi'an, peut-être visiter les musées. Mais c'est une question pour vous, Romuald. De quel pays provient-il ? Ce riton, de l'Italie, de l'Iran, de la Syrie ou de la Grèce ? Réfléchissez bien. Dynastie des Tang, découverte à Hejiakun, une tête d'animal, le riton, Italie, Iran, Syrie ou Grèce ? Je vais donner la question à Catherine. Vous passez la question ? Vous passez la patate chaude, donc c'est votre joker. Catherine ? Oui, mais malheureusement, je ne suis pas allée au musée d'histoire de Shaanxi. Je suis restée seulement 3 jours à Xi'an, donc je n'ai pas eu le temps. Mais je dirais que le prototype de coupe en agate dorée viendrait de la Grèce. De la Grèce ? Oui. Au pif, comme ça, oui, santé. On regarde la bonne réponse. C'était la Grèce.
crois que c'était entre la Grèce, l'Inde, la Syrie et l'Italie. Et c'est vrai que mon intuition me disait la Grèce, mais je me suis dit que j'avais l'impression que Catherine ne savait pas la réponse, donc j'ai tenté, je lui ai jeté une patate chaude, et malheureusement elle l'a mangée, ça lui a bien servi. Oui. Bravo, bien joué, hein, bien récupéré, du coup vous avez transféré vos jokers, c'est bien. Nous en sommes maintenant à vous-même, c'est vous qui pouvez jouer. En effet. Allons-y. Que choisissez-vous ? Je vais y aller pour la question 7. La question 7. Cette question vous propose. La construction de l'initiative Ceinture et Route n'est pas un spectacle solo de la Chine, mais un chœur et un concerto de la Chine des pays participants. Je pense que notre ami diplomate du Cameroun dans le public connaît la réponse. Mais c'est à vous que je la demande. Est-ce l'agenda 2063 de l'Union africaine ? Est-ce l'Union eurasienne, l'accord de Paris ou le programme 2050 de l'Union africaine ? L'agenda 2063 de l'Union africaine. Vous en êtes sûr ? Certaine. Vous le savez. Regardez. C'est juste. Bravo. Très très bien joué, très très bien joué. On pouvait effectivement se faire piéger par 2050. Non, c'est l'horizon 2063 qui est la bonne réponse. Romuald, un peu de pression ? Un petit peu, mais ça va. Allez, on y va. La 8. 8. La 12 ou la 8 ? 8. La 8. Question 8 pour Romuald. Et pour vous, chez vous, bien entendu. Quel pays d'Asie centrale a nommé une avenue de sa capitale l'avenue Deng Xiaoping ? Réponse A, le réponse Kyrgyzstan. Réponse A, le Kyrgyzstan. Pour vous, le Kyrgyzstan a nommé une avenue de sa capitale avenue Deng Xiaoping, ce dirigeant chinois réformateur parmi les réformateurs, n'est-ce pas ? Eh bien, voici la bonne réponse. C'est le Kyrgyzstan. Très bien joué. La dernière question, vous n'aurez plus le choix sur les questions à deux points. Ah non, il y a encore le choix, bien sûr, entre la 9 et la 12. Qu'est-ce que vous préférez ? Je vais y aller pour la 9. Alors, la question 9, la voici. Le groupe chinois eBay Iron and Steel Group a coopéré avec une entreprise d'acier d'un pays d'Europe centrale et orientale et est devenu la deuxième plus grande entreprise de ce pays, entreprise d'exportation de ce pays, bien sûr. Quel est-il, ce pays ? Je vais y aller pour B, la Serbie. La Serbie ? Oui. Vous en êtes sûr ? Vous allez me demander Certaines. À chaque fois ? Oui, parce qu'on a toujours un doute. J'y vais avec la réponse B, la Serbie. C'est bien la Serbie, regardez. En voici la preuve. Elle s'affiche en rouge. Faut quand même dire que Catherine, dans les premiers contacts qu'on a eus, les premières sélections, était très craintive. Elle nous l'a joué finement. « Oh, je n'y arriverai jamais !» Et vous êtes en finale et vous brillez en finale. Bravo. Romuald. Eh bien, la 12. La 12 ? La 12. Que fut introduit en Chine à travers la route de la soie ? Est-ce le riz, le trèfle ? Le poivre ou le blé ? Réfléchissez bien. À travers la route de la soie, on a introduit le riz, le trèfle, le poivre ou le blé ? Je sais que les jeux de cartes ont été introduits à travers la route de la soie, donc je dirais la réponse B. Vous êtes joueur ? Oui. Ouais. Vous avez vraiment envie de jouer, là. Hein. Ouais, ouais. Vous voulez vraiment prendre des risques, là. Hein. Vous avez choisi réponse B, on ne peut plus revenir. Hein. Ben non, c'est... Ben regardez, elle s'affiche, la réponse. Bien sûr que c'est le trèfle, évidemment. Bon, je connaissais la réponse, je n'aurais pas fait le coup sinon. Bien sûr, c'est le trèfle. Alors maintenant, on regarde un petit peu les scores. 8 à 10, deux petits points d'écart. Mais maintenant, nous jouons avec des questions à 3 points. Donc, quel est votre choix ? Je vais aller pour la question 15. Écoutez-la surtout.
Écoutez bien cette voix. Vous la connaissez. Vous connaissez cette voix? J'ai reconnu la voix très tard. En fait, au début, j'entendais que la chanson était en chinois. Puis c'est vraiment sur les dernières notes que j'ai réalisé que c'était Céline Dion. J'étais surprise, je ne savais pas qu'elle savait chanter en chinois. Alors, sur le plateau de la soirée spéciale pour la fête du printemps en 2013, la chanteuse canadienne, donc ça doit vous parler, Céline Dion, si vous êtes une fan de Céline Dion? Oui, d'ailleurs, elle est québécoise, Céline Dion. Bien sûr, donc c'est bien pour ça que je vous demande ça. Elle a interprété une chanson chinoise. Quel en est le titre et de quelle province de Chine est originaire cette chanson traditionnelle, folklorique? Si vous connaissez la vie de Céline, vous allez sans doute pouvoir répondre à cette question. Il y aura des choix ou pas de choix? Il n'y a... malheureusement, pas de choix. Je vais laisser Romuald répondre à cette question. Grosse patate, bien allez, chaude, allez. Bien. Romuald, vas-y, voilà, une si allez. Belle chanson, vous devez connaître. Le titre, je connais la chanson, mais en chinois, mais la province... Le titre déjà. Molihua. C'est une chanson traditionnelle, c'est bien, mais de quelle province est-elle originaire? Alors là... Il me faut malheureusement les deux réponses. Ah, ça commence à se compliquer, c'est normal. Je sais pas, au pif je dis Zhejiang, mais je peux être... Vous dites au pif? Zhejiang, Molihua, Zhejiang, je sais pas. Ah, regardez la réponse. Jiangsu. Jiangsu, c'était pas loin, hein. Et le jasmin, donc c'est la chanson du jasmin. Ouais, Molihua. On dit comment, jasmin en chinois? Molihua. Voilà, Molihua, donc vous aviez une partie de la réponse juste. Malheureusement, elle n'est pas complète, donc vous ne marquez pas, mais vous donnez le point à Catherine, merci. Puisqu'elle vous a encore une fois donné ce joker. Alors, c'était vraiment dommage pour Romuald. Il était très bien parti. Et puis, comme dans toutes les compétitions, on a un favori. On se dit, oh, il va être champion, il va gagner. Et bam, il y a le petit moment inattendu qui fait basculer la compétition. Et c'est ce qui s'est passé avec la question, justement, sur le jasmin. C'est un peu dommage pour Romuald. Il était vraiment prêt. Moi, ça aurait été bien que les points lui soient accordés, mais moi, j'avais aucune idée. Aucune idée. Voici la nouvelle question, cette fois-ci directement pour Romuald. Tout est possible encore. Mais concentrez-vous. 13. La 13. Question 13. Écoutez. Le servir en chanson chinoise. Ah, si vous aviez vu. Maître Don Chiang, il était transporté par la chanson. Je sais que vous connaissez la réponse sans aucun doute. Alors, voici la question. Cette partie de la pièce de l'opéra cantonais est dédiée à une déesse chinoise qui s'appelle Mazu. De quel élément de la nature Mazu est-elle la patronne? Votre sentiment va vers quelle réponse? Première impression? Aucune impression. Je vais léguer ma question à Catherine. Ah, Catherine? Patate chaude. La trappe. Merci. Bah, c'est de bonne guerre. Hein. Allez. À votre avis, le fleuve, la montagne, la mer, la pluie? La mer. Vous diriez la mer? Oui. Ni le père, ni le frère, ni la sœur. Mais la mer qu'on voit danser. Le long des golfes clairs. Regardez la réponse. Donc c'était la mer. C'était la mer, Hainia.
Non, j'avais pas entendu ça. À mon avis, j'étais trop perturbé par le fait que j'avais perdu cette question. Ça m'a un peu déstabilisé sûrement. Et j'ai un peu perdu le fil. Voilà. Alors on continue, c'est Catherine qui joue. Oui. Avec une autre question à 3 points. Je vais aller avec la 14. La 14. Petit chameau, veux-tu nous découvrir cette belle question 14? Merci. De donner corps à cette phrase. Jean Tissot, ça et ce, Wenda. C'était court. Oui. Peut-être pas tout compris, mais regardez. C'était le président Macron qu'on entendait. Il a visité la Chine en janvier 2018. Lors de l'un de ses discours prononcés en chinois, c'est pour ça que vous n'avez pas tout compris non plus, il a dit que la Terre soit à nouveau grande et belle. Dans quelle ville chinoise était-ce? À Beijing, à Nanjing, à Xi'an ou à Wuhan? C'est vous qui répondez. À Xi'an. Vous êtes sûr que Macron, le président français, Emmanuel, de son prénom, était à Xi'an en janvier 2018 et qu'en chinois, il a prononcé cette phrase? Pas certaine, mais si j'étais lui, je serais allé à Xi'an. Ah ah! Regardez la bonne réponse. Comme on dit, ça fait mal. On peut vous écouter, bien sûr, maître. Oui, et si vous permettez que j'ajoute juste un petit commentaire, parce qu'en fait, moi, j'étais là, à Xi'an, et au moment où le président Macron a dit ça, en fait, comme c'était en interprétation en simultané, etc., il y avait un peu de, si on veut dire, de retard par rapport à... Et les gens, et moi, j'étais le premier à applaudir, et les gens commençaient à applaudir. Mais après... Ils ont dit, voilà, parce qu'en fait, j'ai compris qu'ils parlaient en chinois, et que voilà, et c'était formidable. On va passer maintenant à une nouvelle question. Et c'est à vous de répondre. La 16. À la question 16, Romuald. La voici. Écoutez. Qu'elle va bien pouvoir être la question. Regardez-la. C'était un extrait de l'opus intitulé « Les 12 Mukwam ». De quelle ethnie minoritaire de l'ouest de la Chine est originaire cette musique traditionnelle? Vous devez répondre correctement pour rester dans le cours du jeu. Romuald, les Kazakhs, les Mongols, les Hui ou les Ouïghours? Réponse D, les Ouïghours. Vous en êtes sûr? Oui. Et certain? Certain. Attention, c'est très important. Regardez, c'est la réponse... Vous avez gagné. Ce qui vous permet de remonter. Nous allons maintenant passer au quatrième rang. Au quatrième rang, donc avec des questions à 4 points. Vous pouvez remonter et égaliser. Rien n'est joué, Catherine. C'est à vous qu'on va demander maintenant de choisir entre 17 et 18. 18. 18. Question 18 pour Catherine. Question. Vous avez la question qui apparaît. Vous les avez bien vues, ces images. En 2018, en novembre précisément, le président Xi Jinping s'est rendu en Europe. Le premier ministre de ce pays a annoncé qu'il espérait inclure un port important de son pays dans l'initiative Ceinture et Route. À quel pays appartient ce port, c'est-à-dire où était le président Xi Jinping en novembre 2018 et quel est le nom de ce port? Question à 2 réponses. Vous les avez? Donc, on vous écoute. Je me rappelle que le président est allé au Portugal. Par contre, le nom du port, je me rappelle que ça commence par un S. Quelle est votre réponse pour le port?
Le port de Sanas. De Sanas. Oui. Le port de Sanas. Oui. C'est votre réponse. Oui. Regardez la réponse. C'était effectivement au Portugal, le port de Sinas. Eh non, regardez, le port de Sinas. Catherine, c'est une mauvaise réponse. Vous ne marquez pas de points. Mais vous ne pouvez plus être rattrapé. Regardez qui le font, il ne reste qu'une question. Donc, vous êtes la championne. Venez, bravo. Alors là, félicitations. Hein. Alors là, félicitations. Bravo, Romuald. Alors ça, c'est très très bien joué, Catherine. Très très bien joué. Hein. Vous aviez le droit de vous planter. Bravo. Merci à tous les Québécois dans la salle. Ah ouais, vous avez des supporters. Ah oui, regardez ça. Bravo. Formidable, formidable. C'est formidable. Romuald, vous n'avez pas démérité. Ça s'est fait à très 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 peu. Hein. Franchement. Ah ouais. Alors. Tu as été un super candidat depuis le début, attention. Hein. Qu'en pensent nos experts? Alors moi, j'ai vraiment été impressionné par les candidats ce soir, et notamment pendant la finale. Donc chapeau à vous deux, et l'essentiel, c'est comme on dit, de participer. Félicitations à Catherine, et félicitations également à Romuald, qui n'a vraiment pas démérité. Tout à fait. Maître Donger? Évidemment, félicitations à Catherine, mais je pense que effectivement la balance commence à justement aller vers vous, justement malheureusement. Hein, c'est cette chanson que vous connaissez bien d'ailleurs. Hein, ouais, pour Lihua, vous la prononcez ouais, d'ailleurs en chinois. C'est à partir de ce moment-là que je crois que voilà. Donc, le jeu a basculé. C'est tout aussi bien surtout parce qu'en fait, je suis content que ce soit une fille qui gagne ça. Et elle va bientôt rentrer donc avec ce Grand Prix donc dans son pays Québec. Voilà, donc c'est à la fois bon pour la francophonie et aussi pour la Chine parce qu'elle va après parler de la Chine, la route de la soie au Québec. Romuald a été très élégant ce soir en laissant une femme gagner cette finale. Voilà. Eh bien, nous allons appeler également les autres candidats qui ont été très brillants, non seulement ce soir pour la finale, mais il y a quelque temps lors de la première émission éliminatoire. Oh, merci, merci. Sumatra, Brunaté. On dit Elvin aussi. Tu te fais souvent appeler Elvin aussi. Voilà. Formidable candidat. Formidable. Rassurez-vous, vous allez tous recevoir des cadeaux. Tous. La première chose, c'est que chacun d'entre vous va apprécier des produits français de grande qualité offerts par Comptoir de France. Benjamin Devos qui remet les cadeaux. Alors, voilà. Oh là 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 là, ça... merci beaucoup. On vous laisse vous installer ici, Benjamin. Vous pouvez vous installer ici. Il y a pour le deuxième un prix particulier. Un prix très particulier. Nous défendons la francophonie, nous l'aimons. Et nous aimons communiquer l'amour du français à ceux qui ne savent pas très bien le parler. Eh bien, j'appelle le directeur de l'Alliance française en Asie. C'est notre ami Thierry Lasserre. Thierry, vous pouvez offrir à Romuald un an de cours de français, non pas pour lui, mais pour la personne de son choix en Chine. Merci. Est-ce que vous savez à qui vous allez offrir ce prix? Qui, parmi la communauté chinoise, va pouvoir bénéficier de ce cours toute l'année, partout en Chine? Mon amour, ma femme. Elle parle pas le chinois? Elle parle pas le français? Elle parle un peu le français, mais elle pourrait progresser un peu, donc pas suffisamment. Ça, c'est génial. Alors voilà un cadeau qui tombe fort bien. Tout à fait. Eh bien, c'est parfait. Vous pourrez ensemble jouer justement à vérifier ses progrès en français. On est très contents. Et Catherine, vous allez être comblée d'abord. Vous êtes comblée de bonheur, j'imagine, en étant la lauréate de ce grand quiz. Vous êtes déjà chargée de toutes ces bonnes victuailles. Mais je vous annonce que Monsieur Hu, en personne, qui est le directeur adjoint de la chaîne CGTN français, vient vous remettre d'autres prix. D'abord, vous féliciter. Il va vous remettre... Merci beaucoup. La coupe... Oh, wow. Du vainqueur, le certificat de champion, championne en l'occurrence, et également un voyage, puisque la direction a décidé de vous offrir un voyage sur la route de la soie. Vous allez donc revoir des merveilles qu'on a découvertes dans cette émission.
Vous irez un peu partout, pas partout non plus parce qu'il faudrait 6 mois bien sûr, mais vous ferez un très beau voyage avec la personne de votre choix. Vous l'avez choisi ? Non, pas encore. Ouh là là, les enchères vont monter sur le petit écran à mon avis et dans votre établissement, dans votre faculté. Voilà, c'est terminé. Merci, monsieur le directeur, je tiendrai à vous dire que travailler sur cette chaîne est un vrai bonheur avec beaucoup de très bons professionnels et dans une ambiance magnifique. C'est dit, au revoir. A bientôt, merci de nous regarder régulièrement sur CGTN français. On vous aime, vive la francophonie, vive la Chine, à bientôt. Et bravo à vous, hein. Bravo, bravo, bravo. Ah, mais il va se dire.